La ville de Bama, dans l'état de Borno, Nigeria, revient de loin. Libérée des griffes de la secte islamiste Boko Haram, les stigmates du passage des hommes d'Aboubakar Shekau demeurent et la ville est à reconstruire. C'est une Bama aux allures de ville fantôme qui s'ouvre à tout visiteur. La ville de Bama a été essentiellement détruite par Boko Haram. Sa plus grande partie a été rasée, comme vous l'avez vu. Nous espérons que la reconstruction commence sérieusement de sorte qu'avec le temps, les populations de Bama puissent revenir dans leur ville. Le 19 février 2014, la ville de Bama a été attaquée par les terroristes de Boko Haram. Plusieurs bâtiments ont été détruits à l'explosif ou incendiés, dont des bâtiments publics, le siège du gouvernement local et le domicile du plus haut dignitaire religieux de la région. Chaque jour, des personnes étaient libérées dans les zones contrôlées par Boko Haram. Notre vaillante armée a pu libérer ces personnes dans ces zones et les a immédiatement ramenées au camp des déplacés. Vous devriez les voir ce jour-là quand ils ont été libérés. Des gens amaigris. Il y avait un homme adulte. Vous pouviez même compter ses côtes. Boko Haram a massacré jusqu'à ce jour plus de 20 000 personnes depuis le début de son insurrection en 2009.